commandeur Séraphim bloque votre itinéraire vers l'Arche. Débarrassez-vous-en, puis rendez-vous à l'Arche. QG terminé. Séraphim ou Lord ? Brigadier Général Fletcher, les Séraphim m'attaquent de tous les côtés. J'ai besoin d'aide. Où êtes-vous ? Et pourquoi je vous aiderai ? Vous êtes comme les autres. Quand tout sera fini, vous vous retournerez contre nous. Brigadier Général Fletcher, vous avez des ordres. Prêtez assistance à la croisée Risa. Vous nous avez vendus, Hal. Vous nous avez alliés à des monstres et des dégénérés. Quand j'aurai mis la main sur le soleil noir, je mettrai fin à cette situation et je reconstruirai tout. Mais de quoi vous parlez ? Il n'y a plus de soleil noir. Les Aeon et les Cimrans sont nos alliés. Imbécile. Ils complotent sous votre nez et vous ne voyez rien. Vous êtes complètement aveugle. QG, rappelez Fletcher. Faites-le dégager d'ici. Sa balise de rappel a été désactivée. D'ici, nous ne pouvons rien faire. Fumiga. Zone d'opération élargie. J'ai passé pas mal de temps à y réfléchir. C'est la seule issue possible à cette situation. Maudit soit-il, la FTU n'est même pas capable de contrôler ses propres soldats. Je dirais que Fletcher a finalement pété un câble, commandeur. Terminé. Mon petit, le général Hal vous a autorisé à arrêter le brigadier Fletcher. Tous les moyens sont bons. Il ne doit pas perturber notre plan. Je vous aiderai si possible, docteur. Mais je suis occupé avec les Séraphim. Risa a terminé. Les unités de l'ordre se dirigent dans votre direction. Et ce fou furieux de Fletcher prépare également une attaque. Occupez-vous des deux. Terminé. Comme un fourbe, ce fait. Bon, par contre, je risque de perdre beaucoup. Les prototypes risquent de sauter, mais pas un ou deux. Là, je risque de tout perdre, à mon avis. Gloire à la princesse! Nous avons repéré un parangon dans la base de Vedetta. Si vous le détruisez, vous porterez un coup à son économie. Terminé. Parangon, ici? Je ne suis pas encore vaincu. C'est vrai qu'il y a un N que je prononce pas. Voilà, il les a perdus. Les humains massacrent les humains. Quel spectacle! Attends, merci Fletcher. Ça, si pas faire erreur, regardez le micro activé. Bon, j'ai pas fait d'appareil aérien, c'est pas dérangeant. Hein. Soit Fletcher est totalement facile à contrer. Je viens de recevoir un rapport concernant le centre de contrôle du Soleil Noir. Il est relié à l'ancien réseau de défense Option Zéro, et il semblerait que certaines armes soient encore opérationnelles. C'est quoi encore ce bug ? Celui qui contrôlera le centre pourra utiliser le système de défense. Capturez le centre de commandement le premier. Terminé. Ce jeu va me rendre fou. On a un bug dont on ne sait pas d'où il vient.
sais pas pourquoi. On a tout ça qui ne veut plus fonctionner. Bien, il veut. Surtout que j'ai pas utilisé la touche d'arrêt de travail. Je pense autant de torpilles. En fait, c'est tellement fumé. J'avais pas besoin en fait qu'ils avaient un prototype aussi fumé. Ouais, on va faire sauter le plus vite possible. Vous n'aviez pas le choix, commandeur. Les actions de Fletcher nous ont forcé la main. Poursuivez l'opération. Terminé. Vous êtes un lâche. On lâche avec un satané bug qui m'empêche de jouer correctement. Ça me rend fou les bugs. Commandeur, triomphez du commandeur de l'ordre dès que possible. Terminé. Ouais, j'aimerais bien quand même ne plus avoir. Ouais, de toute façon, c'est mort. Hein. J'ai ce bug là, je vais jamais pouvoir. En fait, c'est comme si. D'accord, en fait. C'est comme. Je sais pas, j'ai toujours donné des ordres. J'ai aucune idée d'où ça vient. On va. Vous êtes une abomination. On va passer outre ce problème. Il faut plus de mégalithes, donc on va en faire plus. On va faire plein de mégalithes, comme ça on va vite terminer la mission. Quoique, je n'ai pas besoin de temps. Ouais, j'en vois déjà 3 en plus. On a trouvé le commandant. Vraiment dommage ce bug, vraiment. Ça, ça doit être le commandant, donc ça je. Le commandant, ça c'est. Oh, attendez. Non, mon laser orbital peut quand même pas tirer. Oh, il peut pas tirer une sous-marine. Ouf. Le commandeur de l'ordre est neutralisé. Terminé. Voici l'arche. Détruisez-la. Fou. Il est trop tard. L'arche est terminée. Les séraphimes déferlent déjà sur la galaxie pour la purifier. Les senseurs indiquent une multitude d'unités en approche depuis la faille. C'est maintenant ou jamais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon petit.
détruisez l'arche. Croisez Risa au rapport. Les Séraphines. C'est à ce moment-là que normalement ça part en engaine et qu'Aversion Steam a bien corrigé. Mais je suis incapable de prendre l'offensive. Commandeur, vous êtes seul. Détruisez l'arche. QG terminé. Parfait, j'ai perdu aucun prototype. Vous n'avez aucune chance contre nous. Les Séraphines sont éternels. Détruisez les humains. À vos ordres. Faites taire cet alien, commandeur. Avec un missile nucléaire de préférence. Terminé. Je tiens que pari que je suis capable de les raser. Nous aurons un accès libre à votre galaxie. Le vent tourne, Kael. Bougez-vous. Pitoyable humaine. Croyez-vous vraiment que nous sommes à votre service? Vous n'êtes qu'un instrument entre nos mains. Quand nous en aurons terminé, tous les humains de cette galaxie seront morts. Mais... Vous aviez la vérité sous les yeux, Kael, mais vous avez choisi de les fuir. Les Séraphim sont éternels. Vous ne les vaincrez jamais. C'est là, on l'a tué. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle part encore que je l'ai buté. Concentrez vos efforts sur l'arche. C'est le plus important. Un alien de moins. QG terminé. L'arche vacille. Elle peut s'effondrer à tout moment. Bon, c'était ultra expéditif avec les cibrans cette campagne. J'en avais cette mission là, fallait la faire un peu. J'aurais pris plus mon temps si j'avais pas eu de bug. L'arche est détruite. Je serai là d'ici peu, commandeur. Il est temps que tout ça se termine.
j'ai été mis au courant par le général Hall que la FTU reconnaissait officiellement la nation Cybran et ses membres comme une nation souveraine. Hein, oui. Nous sommes désormais libres de vivre notre vie exactement comme nous voulons. Hall a également proposé une alliance permanente entre nos deux peuples. Une proposition que j'ai pour le moment, et à contre-cœur, été forcé de refuser. Mes petits, nous sommes libres. Mais que signifie la liberté? Devons-nous abandonner notre peuple pour nous allier à des monstres? Devons-nous abandonner nos frères et sœurs par intérêt personnel et goût du pouvoir? Ou est-ce que cela signifie que nous sommes entièrement responsables de cette liberté et que nous devons en profiter avec humilité et grâce? Saurons-nous faire passer le bien de tous avant notre propre bien? Oh oui, pour moi c'est ce que ça signifie être libre. Et c'est pareil pour nous tous. Il est indispensable que nous soignions les blessures dont souffre la nation Cybran, afin que nous puissions tous vivre dans la paix et l'harmonie. Oh oui, vivre en paix. Mais ce n'est pas tout. Les choses sont bien loin d'être terminées. Nous continuerons à aider notre sœur Risa autant que possible. Son combat est notre combat. Nous devons pardonner et aider ceux qui étaient autrefois nos ennemis les plus farouches. Nous devons aller de l'avant. Ah oui, nous devons aller de l'avant. Portez-vous bien, mes enfants. Portez-vous bien. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons la campagne des Cybran. Que dire? Bon, je pense que vous avez vu, ils ont un prototype ultra puissant au sol par rapport aux autres factions. Niveau terme de puissance de feu, etc. Mais je trouve que ça compense pas leurs autres faiblesses. Il manque de troupes. Il manque vraiment de troupes ultra résistantes en standard, de manière standard. Niveau aérien, ils sont au même niveau que les autres factions. Au niveau terrestre, au même niveau aussi. Ils ont le loyaliste que je trouve en unité de siège, que je trouve le plus faible parmi les trois, entre le Titan et le Mark IV des Aeon. Cependant, je pense que ce qui se passe avec les Cybran, c'est que je n'ai pas la bonne manière de jouer avec eux. Je n'ai pas la fourberie, la ruse de la faction. Ce qui fait que je n'ai pas le bon gameplay, je pense, avec eux. Ce qui fait que j'arrive pas à avoir leur vraie force. Je suis sûr qu'il y en a qui arriveront à vraiment tirer meilleur profit que moi de cette faction, qui arriveront à faire bien mieux que moi. Mais voilà, c'est pas mon style de jeu et je peux pas m'adapter à un style de jeu que je n'apprécie pas. Rétablissement des algorithmes primaires de l'unité centrale. Algorithme primaire de l'unité centrale opérationnelle. Tous les systèmes activés. Diagnostic terminé. Instruction primaire reconnue. Exécution. C'est ainsi que nous avons terminé la campagne des Cybran. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre Wakfu. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde, on a commencé à regarder cette vidéo en ma compagnie. La faille est scellée et l'ordre est en fuite. Malheureusement, nul signe de la princesse Burke. Nous continuons les recherches.